Je vais vous proposer de faire de la mousse à raser. La mousse à raser, alors évidemment, on en trouve dans les supermarchés, c'est pas très écologique, et puis on sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de simple avec juste quelques ingrédients. Vous allez voir, en plus, on a la peau toute douce, c'est très agréable. Alors, souvent on dit c'est la mousse à raser pour les hommes, mais les femmes se rasent les jambes aussi, donc il n'y a pas de problème, c'est pour tout le monde, ça sera doux pour tout le monde. Il n'y a que quelques ingrédients, c'est-à-dire qu'on va utiliser du savon de Marseille. Deux méthodes, on l'achète déjà en copeaux, c'est pratique, comme ça on n'a pas besoin de se faire les bras. Sinon, si on peut faire à l'ancienne aussi, on utilise une râpe, plus ou moins moderne, et on râpe son pain de savon de Marseille. Alors là, on a besoin donc de 60 grammes de savon de Marseille. Je pars ma balance. Et bah, pile poil 60. On est pas mal. Ici. On prend le petit mixeur. Hop. Les 60 grammes. Puis, on va prendre de l'huile d'amande douce. Une cuillère d'huile. Et on va mettre 10 cuillères d'eau. C'est plus long à couper. Puis on va rajouter de l'huile essentielle de cèdre des Atlas. Vous allez voir, c'est assez masculin comme odeur, c'est très agréable. Là, il faut compter jusqu'à 10. Mousseux. C'est très homogène. Ensuite, on va prendre notre petit contenant et on va le mettre à l'intérieur. Avec entonnoir ou sans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu que ça soit un petit peu plus dur. On peut très bien le mettre au réfrigérateur. Et en tout cas, entre deux conservations, entre deux utilisations, on le remet au frigo pour la conservation. Votre mousse à raser est prête. Il n'y a plus qu'à utiliser le blaireau. C'est parti, t'as pas pété. Je fais pas ça tous les jours. Alors c'est des ingrédients qu'on trouve facilement dans une biocoop ou dans une droguerie. Les huiles essentielles se trouvent également en pharmacie. Et préférez les huiles essentielles bio, quand même, c'est pour le corps, donc il vaut mieux prévoir des choses certifiées, plus agréables. Autre chose, pardon, j'ai oublié, ça c'est, je ne l'ai pas dit sur la vidéo, mais c'est très important que l'hygiène soit importante pour... Si vous avez les mains, voilà. Ouais. On met un petit coup de comme ceci. Hop, un petit coup. T'es pas allergique? Ouais, elle est bien la mousse là. Une cuillère. Et là, c'est 10 gouttes. Alors, 10 gouttes, ouais.